C'est dans une bonne ambiance et une communion totale avec les artistes que se sont refermées les portes de la 8e édition du marché des arts du spectacle africain à Boaké. Le retour du Massa après 7 années d'interruption et surtout sa tenue à Boaké a donné l'occasion à de nombreux artistes de se vendre. Durant ces 2 jours, spectateurs et artistes ont partagé des moments de gaieté. Les talentueux artistes que vous avez ici à Boaké sont en train de démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Tous ceux qui sont passés, j'ai vu que vraiment on a du bon talent dans notre pays. Et particulièrement à Boaké, je ne savais pas qu'il y avait aussi des jeunes si talentueux. Venus d'Europe, la troupe Bambala, composée en majorité de Français, a fait montre de sa maîtrise des différents instruments de musique africains. Avec des chants en malinké et moré, ce groupe a appelé les Ivoiriens à la paix, socle d'un développement durable. La 8e édition de ce rendez-vous culturel africain a réuni à Abidjan, Grand Bassam et Boaké 50 groupes artistiques, artistes chanteurs, comédiens et plus de 1000 professionnels des arts et de la culture.